Jean-François Buisson, je suis sculpteur et j'ai voulu développer ce projet des vives de l'art parce que ça répondait à une problématique qui se posait à moi, à savoir qu'un artiste, pour exister, il a besoin d'un atelier, d'un endroit où travailler. Pour pouvoir réaliser justement ses envies, créer son univers et développer un projet. J'ai rencontré Jean-François en 1995, où j'ai vu arriver un magnifique garçon dans mon bureau. J'étais à la mairie depuis quelques semaines. Et il est venu m'expliquer qu'il, je m'occupais de culture à l'époque. Il ne venait pas me demander d'argent, mais qu'il venait simplement se présenter. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il ne m'a jamais demandé un sou. Et puis c'est comme ça qu'a commencé une grande amitié. Et c'est un peu pour ça qu'il a vécu un certain temps à la base sous-marine, et puis peut-être aussi un peu aujourd'hui dans les pavillons des Vives de la Marine. Je suis architecte du patrimoine. Les architectes du patrimoine sont des architectes spécialisés, issus de l'école des monuments historiques. Jean-François Buisson m'a fait appel, après mise en concurrence, pour devenir mandataire de cette équipe de maîtrise d'œuvre, composée donc de moi-même pour tout ce qui est restauration et gestion de l'équipe elle-même. De PM architecture pour toute la partie réhabilitation et après d'une équipe pluridisciplinaire de bureaux d'études, économistes. On travaille sur le projet des Vives de l'art à la conception en fait, de tout le réaménagement intérieur des deux ateliers. Sachant que la réhabilitation, enfin, la rénovation de la pierre, de la charpente et de la couverture est assurée par Aurélien. Je suis donc Alain Rieu, conservateur régional des monuments historiques. Donc je suis donc responsable du service des monuments historiques au sein de la direction régionale des affaires culturelles. Les bâtiments vieux de la marine sont des monuments classés. Donc qui dit monument classé dit des autorisations que nous donnons au titre des bâtiments classés. Et il est vrai que l'état sanitaire dans lequel se trouvent ces bâtiments et le projet sont des... font que le dossier est un peu plus complexe que de refaire à l'identique une couverture d'une église romane. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est sa complexité. C'est-à-dire que du coup, on a deux architectes, un architecte du patrimoine et une équipe artistique, d'architectes artistiques, on va dire. Et en même temps, on a deux phases et au milieu de tout ça, plusieurs subventions. Donc mon rôle pour l'instant est d'arriver à établir un chiffrage en séparant les deux architectes, en séparant les deux bâtiments et en le répartissant par phasage. Je suis arrivé par la sollicitation de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a eu besoin des compétences en termes de fluide et d'énergétique pour faire en sorte que le bâtiment qui était progressivement dessiné puisse être chauffé, ventilé normalement, dans des contraintes qui sont particulières, à savoir celles d'un patrimoine existant. Les deux bâtiments concernés sont intéressants car ils font partie intégrante du patrimoine de Bordeaux. À savoir autrefois, je crois que c'était des anciens abattoirs ou stockages de viande de cochon qui partaient pour les bateaux. Aujourd'hui, ils sont relativement bien conservés dans leur état d'origine. Les Vives de l'art s'insèrent dans un projet, dans un bâtiment classé monument historique. C'est un bâtiment du XVIIIe siècle dans lequel sont les anciennes tueries des Vives de la Marine. Il était important que ces lieux, qui restent un peu identitaires du port, de la mémoire maritime, puissent continuer à exprimer ce qu'ils furent, mais tout en permettant un nouvel usage. La question pour une ville, c'est de se demander si on peut affecter des monuments historiques, les vendre d'abord et les affecter à des usages marchands. Et donc, lorsque Jean-François s'est dit « moi j'ai envie non seulement de travailler dans les Vives de la Marine, mais également d'y vivre », il est apparu au maire de Bordeaux que c'était plutôt une très bonne idée, parce qu'on allait à la fois trouver un usage culturel, donc c'est très bien, mais en même temps, cet usage culturel était porté par une personne privée. Et ça nous a paru à tous, ça a été difficile pour convaincre tout le monde, mais ça nous paraît plutôt une réponse intelligente.
projet s'est développé ici, parce que justement, il y avait exactement la bonne configuration avec ces deux abattoirs. Donc, l'un qu'on pouvait destiner à un atelier, dans lequel il y aurait plusieurs ateliers, et puis un autre qui serait destiné justement à une galerie et à une résidence d'artistes. Donc on a vraiment essayé de distinguer deux attitudes bien distinctes sur les ateliers. Il y a l'atelier sud qui lui est conservé au maximum et restauré au maximum, où la charpente existante est remise en état et même on a essayé de la mettre en valeur, de la magnifier. Un dallage existant, certes, qui a beaucoup bougé, qui est difficile à appréhender, mais on a fait le choix de le conserver. Et à l'inverse, l'autre atelier, où lui, il a été nettement plus marqué par le temps, donc on va retrouver une nouvelle charpente, beaucoup plus adaptée au déplacement de charge, notamment pour l'atelier et les sculptures de grande dimension. Dès lors que l'on commence à travailler sur un bâtiment ancien, alors ce que je qualifierais de bâtiment ancien, c'était les bâtiments, on va dire, d'avant la Première Guerre mondiale, donc tout le 19e siècle et jusqu'à 1914, notre objectif autant que possible est de les préserver. Toute la problématique était de réussir cet aménagement en préservant le patrimoine, c'est-à-dire en faisant quelque chose autant que possible de démontable. Ça impliquait déjà de regarder ce que j'avais le droit de faire, ce que je pouvais faire techniquement. Et à partir de cela, on découlait une, deux, trois solutions techniques. Donc on est parti tout simplement sur une solution avec une chaudière pulsatoire qui n'émet pas de fumée. Et le rejet des légers gaz de combustion se fait par un tout petit conduit qui fait 5 cm de diamètre et qui peut être rejeté de façon extrêmement discrète en façade. Est caché derrière une petite grille de ventilation qui a été choisie, bien entendu, pour éviter que la façade soit détériorée. Il y a cette volonté-là de révéler l'existant, la charpente, les murs, en étant assez sobre dans l'intervention, mais en répondant quand même à un programme qui avait été mis en place. Mon rôle sur ce projet est de quantifier, de décrire et d'estimer chaque élément d'ouvrage. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin du projet, je vais estimer chaque phase de projet, pour être en adéquation avec le budget du maître d'ouvrage. Et ensuite, je vais décrire précisément et en détail chaque élément d'ouvrage. Ce qui est assez excitant dans ce projet, c'est d'arriver à lier l'œil bienveillant de l'architecte du patrimoine sur l'enveloppe des bâtiments et à participer à la créativité de la jeune équipe d'architectes avec deux idées à la minute. Donc faire des boîtes modernes dans un ensemble de boîtes conservées et issues du patrimoine. L'intérêt et aussi la difficulté de ce projet, c'est qu'il faut être capable, lors d'une réunion de chantier ou lors d'une phase de conception, de jouer aussi bien sur une réflexion, sur une durabilité de pierre ancienne, sur un problème de compression sur un sol ancien, tout en réfléchissant sur du dimensionnement de poutres béton ou de plancher qui va devoir respecter des contraintes acoustiques entre logements. Et de réfléchir également sur la possibilité de faire traverser une gaine de chauffage ou autre dans la structure sans qu'elle soit trop apparente et sans qu'elle perturbe notre structure. Dès le départ, on a fait le choix de conserver le trou béant de l'atelier nord comme une marque du passé. Donc on a décidé d'en faire une verrière. Donc ça a été acquis, tout le monde l'a validé, la DRAC l'a validé. On a dit ok, ça permet d'inonder l'atelier de lumière, donc dans l'usage c'est plutôt cohérent. Par contre, sur l'atelier sud, nous avions la consigne de absolument pas percer la toiture. Et ça fait presque 30 ans, peut-être plus, qu'il y a une brèche énorme dans la charpente à cet endroit-là. Et finalement, le temps étant passé par là, on a l'habitude maintenant de voir ces ateliers avec cette trouée au milieu, enfin cet atelier avec ce trou. Et ensuite, avec le club, le comité UNESCO, nous avons eu le grand débat de la symétrie des deux bâtiments. Faut-il conserver la symétrie? Est-ce que cette symétrie est importante? Mais finalement, on a fini par tous se mettre d'accord pour dire que oui, effectivement, cette symétrie est très importante entre les deux bâtiments. Et effectivement, avec cet argument-là, permission nous a été donnée de percer l'atelier sud. Donc ces projets liés à la pierre apportent toujours une complexité. Comment changer une pierre, comment la traiter, comment refaire des corniches. Il faut avoir une notion un peu de ce métier issu du compagnonnage pour avoir cette sensibilité pour pouvoir faire un beau projet.
sur le projet des Vives de l'Art, le fait que ce soit un patrimoine existant, classé et à conserver, ou en tout cas à modifier le moins possible, ça n'est qu'une source de contrainte, ce qui veut dire que forcément ça engendre de la réflexion, et ben, c'est là que le projet était intéressant, c'est-à-dire qu'il sortait complètement du circuit standard des projets de rénovation et même de création d'existants. Là, c'est de la rénovation à laquelle, sur laquelle on ne peut quasiment pas agir en termes de thermique du bâtiment, en termes d'isolation. Toute cette problématique est une nécessité aussi pour nous d'être en permanence à l'écoute pour rester vraiment dans l'esprit complet du projet. Alors oui, effectivement, l'aspect créatif, l'aspect bâtiment ancien, l'état du bâtiment, font, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas d'un projet complètement anodin. C'est vraiment un projet atypique de par le maître d'ouvrage, Jean-François Buisson, atypique pour le patrimoine, atypique dans Bordeaux. On a découvert au bassin Flot des bâtiments qui n'ont pas une très grande valeur patrimoniale, mais qui ont une histoire ou qui ont, avec leur environnement, un petit fil ténu qu'on n'a pas envie de perdre. Donc on va essayer, chaque fois qu'on peut, de conserver des choses qui ne sont pas patrimoniales au grand sens du terme. C'est une chose d'ailleurs très difficile à faire comprendre à certains promoteurs. Ce projet, donc, il est dans un territoire, hein, Bacalan, qui a gardé une forte identité, y compris sociale, avec des associations qui sont très, très présentes en termes de mémoire du quartier. Le livre, ça va être un peu l'île au milieu de toute cette architecture-là très contemporaine. Et ça, c'était important justement de savoir préserver ça et de aussi recréer cette différence. Ça va être la chèvre de M. Seguin au milieu d'objets beaucoup plus lourds et beaucoup plus puissants. Et je pense que pour un quartier, c'est bien d'avoir ces échelles différentes. Tout ce projet-là, finalement, tourne autour de la notion de patrimoine, tout de même. Qu'est-ce que le patrimoine, qu'est-ce qu'il interroge chez nous, pourquoi ce monument est-il classé, en quoi il définit finalement notre identité nationale, parce que c'est un monument classé national, mais notre identité locale à Bordeaux. Bacalan, c'est vraiment le nouveau visage de Bordeaux avec toutes les... avec tous les enjeux environnementaux. C'est un monument classé, donc on classe tout, on classe l'ensemble. Et également, va devenir classé ce que l'on va réaliser. C'est-à-dire que le projet lui-même est en train de créer un monument historique. C'est le monument que l'on livrera à la fin fera partie du patrimoine. Et ensuite, il faut évidemment, et ça après, ça sera le travail de Jean-François Buisson, de le faire vivre. C'est pas tout d'avoir un slogan, il faut aussi que ça soit la réalité. Et la vie, c'est un renouvellement presque quotidien, et il faudra bien que cette vie continue à énerver ces deux bâtiments-là. Et j'ai trouvé que ce que Jean-François était capable de faire sur cette place, pas tellement, il y a les pavillons, mais il y a la place, et donc sa capacité à occuper, utiliser et offrir une petite place, une très belle place de Bordeaux à qui veut, ça c'est quelque chose d'unique. Donc ce qu'il fait dans les pavillons, c'est très bien, mais ce qu'il fait de cette place depuis maintenant 2 ou 3 ans, avec vivre avec rien, vivre avec un peu, vivre avec pas grand-chose, etc., c'est formidable. Je suis persuadé que cette zone, à mon sens, va représenter un des maillons les plus forts et les plus importants
En plus de cela, y a des choses qui sont hyper intéressantes là-dessus. Il y a le tram qui passe, les bâtiments sont hyper bien conservés, il y a beaucoup de charme, le port est juste à côté, il y a une proximité avec la mer malgré tout, c'était une ancienne utilisation pour la marine. Il y a énormément de platanes qui font aussi de l'ombrage naturel sur cette place. À mon sens, les Vives de l'Art sur ce projet-là, tel que c'est projeté maintenant, ça va être un gros poumon de l'activité local à proximité de cette zone. Je suis à ça dans le projet, donc c'est pas... Là on en est à l'introduction, ça va quoi. J'ai envie de lire le livre quoi. Là, j'ai vu juste l'introduction, le préambule, et le préambule m'a donné assez envie quoi. Donc j'espère qu'on va avoir à écrire encore plein de pages et qu'il y aura plein de tomes à sortir, à venir et que ça sera un super best-seller international.